Un sujet qu'on a parlé tout le printemps, tout l'hiver, la fermeture de résidences pour personnes handicapées. On a reçu plusieurs intervenants pour parler de ce dossier. Et aujourd'hui, c'est M. Jean-François Lysé, le porte-parole de l'opposition officielle en la matière, qui est avec nous pour faire le point sur le sujet. Bonjour, M. Lysé. Merci Bonjour, beaucoup de vous être déplacé aujourd'hui. M. Lysé, on apprenait le 15 février dernier qu'il y avoir des coupes importantes dans le budget des ressources qu'on appelle les ressources intermédiaires pour les personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où proviennent ces compressions tout d'abord. Bon, D'abord, il y a toute la question de savoir là, les gens qui s'occupent de, des, des personnes handicapées dans ces résidences, euh, quel est leur statut Est-ce que ce sont des salariés, ce sont des travailleurs autonomes, ce sont des entrepreneurs Alors, il y a eu tout un débat vers 2012-2013, puis euh, un, un, un combat légal aussi pour déterminer quel était leur, leur, leur statut. Et le gouvernement libéral de l'époque a, 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 a permis la syndicalisation de ces gens-là, et donc une première négociation. Euh, qui s'est mal terminé, c'est-à-dire qu'il manquait des sous à la fin pour, pour stabiliser la situation. Donc, il y a un certain nombre de ressources intermédiaires, surtout les familiales, ouais. qui, eux, s'en sont bien tirées. Euh, mais à peu près 500 résidences intermédiaires de cas les plus lourds s'en sont mal tirées. Et ça, nous, quand on est arrivé au pouvoir en 2012, on s'est rendu compte de ça et on a dit ben c'est pas, pas vrai qu'on peut leur imposer une réduction de leur, euh, de leur rémunération. Donc, on va faire un genre de moratoire pendant deux ans, en stabilisant leurs revenus, mm -hmm. puis on va trouver une solution pendant ce temps-là. D'accord. Alors, nous, on a été battu à l'élection, c'était pas une bonne idée. Et quand les libéraux sont arrivés, bien, ils ont laissé courir la période de, 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 de statu quo qu'on avait établie, qui se terminait au 15 février dernier. Et là, ils ont dit, bien, la période est terminée, ça fait qu'on vous enlève votre argent. Et pour des ressources intermédiaires, ça peut vous devoir dire 30, 40, 50 de leur revenus mensuel. Et donc, euh, les gens ont d'abord mis à pied euh, des intervenants qui... qui qui embauchaient, puis il y en a qui se sont mis et à fermer. Ils sont venus à euh, la, la situation la plus dramatique, la plus dramatique. De, fermer la, ça. de mettre la clé. Euh, donc, cette diminution de leur budget, elle est expliquée en partie par ce qu'on appelle une décotation. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour chaque patient, chaque usager, euh, la ressource reçoit un montant. Et là, du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé qu'un patient avec un niveau de gravité 6 passait à 5, etc. Mm -hmm. ben, il y a deux choses. D'abord, lors, lors de cette première négociation, il y a effectivement cette grille. Avant, on disait écoutez, vous, vous avez une ressource intermédiaire, vous avez six euh, patients ou six résidents, donc on va vous payer, comme si vous êtes une infirmière avec six résidents, on va vous payer à l'heure. Mm -hmm. Là, on décidait on vous paye plus à l'heure, on vous paye selon la sévérité de l'usager. Alors, comme vous l'avez dit, de, de 1 à 6. Et dans cette première Classification-là, les cas lourds ont été sous-estimés. Mm -hmm. c'est de, de là, les 500 ressources intermédiaires sur 8 000, 500 ont, sont, sont vraiment passées euh, à, à, disons, à la moulinette. Euh, mais en plus de ça, donc, donc, ça, il faut régler ça. Mais en plus de ça, pour avoir des réductions budgétaires, parce que le, le, le gouvernement demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de dépenser toujours moins. Euh, là, il y a des gens qui ont trouvé. ont euh, dit bon, ben dans ce cas-là, on, on va simplement juger que vos usagers sont beaucoup moins euh, Son meilleure euh, santé. sont en meilleure santé que vous pensez. que là, on a un, un technicien social qui arrive et qui dit du jour au lendemain, vous aviez cinq usagers qui étaient cotés cinq et six, mais à partir de demain, ils vont être côté deux ou trois. À côté deux ou trois, ça veut dire qu'ils sont en, en situation moins sévère. Donc, je vous paie moins. Même si le temps que vous leur consacrez est Ils le sont même. C'est le même, parce qu'eux sont habitués à une enveloppe de services qu'ils ne veulent pas voir diminuer. Puis en même temps, les travailleurs ne veulent pas donner de moins bons services enfin. qu'ils étaient habitués. Mais les mesures sont quand même entrées en vigueur là. Oui. depuis là, euh, plus d'un mois. Est-ce mm. qu'il y a des résidences qui ont fermé? Oui. Sinon, par, pour ceux qui se gardent la tête encore au-dessus de l'eau, est-ce qu'on connaît les impacts dans la qualité des services? Bien, on sait que partout, il y a la, la réduction de personnel. La première chose que le responsable de la santé Intermédiaire va faire, c'est réduire le personnel augmenter ses propres heures, les heures du personnel qui, qui reste, et espérer que ça se règle. Hein? C'est mm -hmm. pourquoi ils font des conférences de presse avec moi. On, on a rencontré la ministre. On fait des, on fait signer des pétitions. On espère que ça se règle. Alors il y a des gens qui s'endettent d'ailleurs en attendant que ça se règle, qui prennent dans leur économie peut-être. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai vendu mon chalet. J'ai vendu ma voiture. Parce qu'ils sont attachés, évidemment, à leur travail, c'est une vocation. C'est familial, c'est familial. Ça. Il y a des gens qui sont avec eux là, depuis des décennies. Là. Et là, on, on, le risque, c'est d'extirper ces gens-là de leur nid familial et les placer, par exemple, dans un CHSLD. Mm. C'est la solution qui, qui est souvent mise de l'avant si on trouve une place, mm. mais ça peut coûter jusqu'à 95 000 l'hébergement, dans un centre d'hébergement longue durée. Mm. Donc, c'est pas une économie, en fin de compte. Comment est-ce qu'on peut expliquer de manière logique cette décision C'est inexplicable. Ça ne s'explique pas. C'est inexplicable. <laughs> Moi, j'essaie de comprendre pourquoi. J'essaie de savoir combien de millions vous pensez économiser là-dessus. Expliquez-moi comment vous n'allez pas dépenser trois fois plus en allant en CHSLD ou en aile psychiatrique. Moi, on me rapporte qu'à Laval, il y en a trois euh, qui étaient des résidents de R.I. qui sont maintenant en aile psychiatrique. Mais ça n'a pas de sens, ça coûte beaucoup plus cher. Ça pas de... ouais. Et en plus, ben, pour les autistes euh, qui, ont, qui ont des problèmes du comportement important, euh, vous savez que pour eux, la stabilité et la routine est essentielle pour les calmer, pour les rendre euh, fonctionnels. Si on les prend... Et qu'on les amène dans un CHS, CHSLD. C'est comme, comme si on vous prenait, Kevin, puis qu'on vous amenait dans, le milieu, dans un village chinois. Mm -hmm. hein? Tous vos repères viennent de disparaître. Et là, vous décompensez, vous devenez ingérable. Tous et les acquis qui ont été obtenus au des, fil a, des années vont des être à refaire. Il y a des régressions. Ouais. On va garder un œil sur ce sujet-là, c'est évident. et finalement, M. Lizé, il y a un autre cheval de bataille pour vous lors de la dernière session parlementaire, qui était celui des frais accessoires. Oui. On a gardé un œil attentif là-dessus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi les frais accessoires et où en êtes-vous, vous et les groupes de défense pour personnes handicapées dans ce dossier Bon, alors le problème des frais accessoires, c'est que euh, il y avait un genre de zone grise pendant plusieurs années où des médecins disaient, ben là, dans mon cabinet privé, pas à l'hôpital, dans mon cabinet privé, euh, si je vous fais telle intervention, ben il y a un petit frais. Il uh, y a des gens qui ont pensé que c'était toujours illégal, ça, parce que la, la santé publique est censée être gratuite. Oui, l'universalité, c'est la gratuité. Mais ça a été comme laisser faire, parce que c'était des petites sommes, et petit à petit, les sommes sont devenues de plus en plus euh, élevées. Nous, au gouvernement Marois, le docteur Hébert avait décidé de demander d'abord un diagnostic de, de l'ampleur des frais pour les réduire ou les éliminer. Mais M. Barrett lui, a décidé de les légaliser. Donc, pour la première fois, une loi a été adoptée en début d'année euh, qui légalise les, 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 les frais accessoires. Puis nous, on, on leur dit, écoutez, vous savez, comme il y a beaucoup de médecins qui pensent que c'est illégal, ils ne les chargent pas. À partir du moment où vous leur dites, feu vert, c'est légal, il y en a plein qui vont les charger. Donc là, le docteur Barrett nous a dit, oui, oh oui, mais je vais les légaliser, mais je vais les encadrer. Donc, je vais dire quel est le maximum qu'on peut charger. Puis ça, on attend toujours cet encadrement-là. Et le mm -hmm. règlement n'est pas publié, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il va dire. On parle que la publication du règlement pourrait être en juin, qu'on pourrait avoir des nouvelles. C'est ce que, ce que j'ai entendu dire. Et puis là, on verra, on pourra juger de l'ampleur du dommage créé. Parce que ce que plusieurs médecins, des médecins pour un service public ont dit, vous savez, la somme, là, on jugeait que c'était 40 millions de dollars qui étaient chargés à l'ensemble des patients. C'est 1 de la rémunération des médecins. C'est ça qu'on pourrait dire aux médecins. Arrangez-vous entre vous, là. C'est vous qui allez les payer, ces 40 millions-là, puis on n'en parle plus. C'était une solution simple. Malheureusement, le Dr Barrette voulait pas de en pas entendre fait. parler. Bien, merci beaucoup, M. Lisée, d'avoir apporté vos, euh, vos quelques lumières sur ces deux dossiers euh, très importants. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci à vous.